Le système main libre Hands-Free Link et interface de téléphone sans fil Bluetooth de Honda permet au conducteur de faire et de recevoir des appels sans toucher son cellulaire. Avant de jumeler un appareil au système main libre Hands-Free Link et interface de téléphone sans fil Bluetooth, assurez-vous qu'il est compatible en consultant le manuel d'utilisation. Au moment de procéder, le levier de vitesse doit être en position Park et le contact doit être mis. Commencez par appuyer sur le bouton « Phone ». Un message apparaît vous demandant si vous aimeriez ajouter un téléphone. Appuyez sur « Oui ». L'appareil doit être réglé en mode de recherche ou de détection. Pour savoir comment, consultez le manuel d'utilisation du téléphone. Sélectionnez « Hands-free Link » lorsque le mot apparaît à l'écran. Si le mot n'apparaît pas ou si vous souhaitez chercher votre appareil avec le système main libre Hands-free Link, choisissez « Hands-free Link non trouvé », puis appuyez sur « Continuer ». Sélectionnez votre appareil lorsqu'il apparaît dans la liste. Le système émet un code de jumelage à l'écran audio. Assurez-vous qu'il correspond au code affiché sur votre appareil, puis confirmez-le à l'écran. Certains appareils peuvent également vous demander une permission pour la connexion. Lorsque le jumelage est terminé, un avis s'affiche à l'écran audio. Vous pouvez déterminer quel appareil est prioritaire pour les fonctions téléphoniques ou audio du système main libre Hands-Free Link. Si cette option s'affiche, sélectionnez « Oui », puis choisissez l'appareil qui aura la priorité. Pour déterminer ou changer l'appareil prioritaire ultérieurement, sélectionnez « Réglages » à partir de l'écran d'accueil, puis choisissez « Bluetooth Wi-Fi ». Ensuite, choisissez « Réglages de l'appareil prioritaire », puis « Audio ou téléphone » selon la fonction à laquelle vous souhaitez donner la priorité. Pour terminer, sélectionnez l'appareil dans la liste surgissante, puis confirmez votre choix.